أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. هو الحل الأنسب لزيادة النشاط الاقتصادي أو زيادة النمو الاقتصادي بالضبط زيادة الصادرات والحد من الواردات، لكن ليس فلابد من معرفة كل الجوانب التي تتعلق بهذا الموضوع. فقول بعض الخبراء أن التصرف في قيمة العملة ليس دائما الحل الأنسب. Et donc ce qui fait que la politique monétaire, tout en poursuivant ses objectifs intermédiaires, par conséquent, il va finir tôt ou tard par atteindre l'objectif final qui est la croissance économique. Ce workshop international est une occasion de pouvoir rencontrer des enseignants-chercheurs, des universités à la fois marocaines et étrangères, de l'Égypte, de la Libye, de la Tunisie, de l'Algérie et de la France. En fait, la thématique de ce colloque est relative à la libre convertibilité du dirham. C'est un sujet d'actualité, très pointu. Depuis la déclaration du gouverneur de la Banque centrale qu'il souhaite libéraliser donc la monnaie nationale, on a décidé avec les enseignants de laboratoire Largesse, d'organiser un colloque dans ce sens-là, pour pouvoir donc réfléchir aux différents scénarios de cette libéralisation. Et en même temps, on a pensé à ce que ce colloque soit international, dans le but de confronter nos idées, de regarder un petit peu les expériences des autres, et également de développer peut-être des propositions à ce sujet. Aujourd'hui, d'organiser au sein de notre faculté avec nos chers professeurs le workshop international sous le thème la convertibilité libre de la monnaie, quel impact sur l'économie nationale. Je tiens à remercier notre faculté pour cette initiative d'organiser un tel événement qui nous laisse en contact avec l'actualité. Sur la croissance économique. La politique monétaire doit servir la croissance économique sans beaucoup de tensions. Et donc, je participe en qualité d'intervenant. Je suis Ben Bouzian Mohamed, doyen de la faculté des sciences économiques de Tlemcen, Université de Tlemcen. Donc, le colloque, c'est sur la convertibilité de la monnaie, quel impact sur l'économie marocaine. Mais on a voulu profiter pour dire quelque chose sur l'expérience aussi algérienne, surtout sur la comptabilité. On a initié cette convertibilité en 1993, mais les conditions ne se prêtaient pas. Donc on a donné des éléments sur les conditions, les conditions préalables pour une telle convertibilité. Et j'ai fait même une étude comparative entre ce qui se passe au Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc effectivement, le Maroc a un élan un peu très avancé par rapport à nous. Ça se comprend par la diversité économique au Maroc. Il a beaucoup de secteurs en développement, tourisme, les services. Par contre, nous, on dépend du pétrole et donc les conditions ne sont pas les mêmes. Donc on a montré comment il faut un équilibre interne, externe, des systèmes d'incitation et un taux de change approprié. Donc je pense que le colloque, ce workshop, l'objectif c'était de montrer les avantages de cette convertibilité, aussi les risques et quels sont les moyens et les conditions pour les mettre en place. Donc c'était cela l'objectif de ce workshop. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.